Et yo tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en administration sur VLive, comme d'habitude, du ban, du permaban, du ban 2 heures, vous allez voir, il y a eu différents cas possibles, mais aussi des trucs assez drôles. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo admin. Comme d'habitude, un maximum de likes pour cette vidéo. C'est parti, let's go. Ok, on a un free kill, let's go, je vais mettre un peu de musique. Je pense que j'ai enlevé mon pull aussi, j'ai très chaud. Salut. Oula, chaud. C'est la dernière personne qui t'a tué. Allô. Allô, c'est la dernière personne qui t'a tué, qui t'a free kill. C'est ma... Ouais, c'est toi, Verdoc? Oui. En fait, ouais. Je crois qu'il s'appelait John, un truc comme ça. John, ouais. Et ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais vendeur d'armes et il me pointait une arme. Il me pointait une arme et j'ai dit, monsieur, pourquoi vous me pointez une arme? C'était un policier, non? Parce que moi, le dernier que j'ai vu, c'est le... Ouais, c'est un policier. Oui, c'est un policier. C'était un policier. Okay. Et il m'a tué que sans aucune raison. Il m'a tué sans aucune raison. Salut! Bonjour! Maxolol, pourquoi ouais, tu trolls? Très mal entendu, j'ai aucune confiance en vous, je vais très Maxolol, très bon. En plus, j'étais dans une action RP là. J'ai un autre ticket contre toi pour free kill, donc ça dégage, 350 degrés permaban. Hop là. Il le savait très bien que ça allait tomber. Ok, let's go, le premier. Bloqué. Oui, bonjour. Qui est bloqué là? Ah, la voiture. Ah, la voiture, elle est. Oh, quoi? Voilà, hop, elle est plus bloquée. Comment il a fini là, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Hein. Déblocage du turfu. J'étais obligé de le débloquer comme ça en fait, j'avais pas le choix. Mon ami est de la mafia, il a le droit de me défendre si je suis maire. Non. Non, il n'a pas le droit. Bonjour. Allo, tu m'entends? Alors, ouais. Si tu es maire, tu n'as pas le droit d'être défendu par un mafieux qui est ton pote, mais si ton pote veut te défendre, il peut se mettre mercenaire. Et mercenaire, ils ont le droit d'aider le maire du coup. D'accord. Il se met garde du corps et il fait. Oh ouais, c'est parce que mes gardes du corps ils ont bien droit aux armes lourdes. Ouais, ou... ils ont droit aux armes lourdes. Ok, parce que j'ai douté sur ça. Ouais, merci beaucoup. Non, il a le droit, vas-y. Bon, je... Par contre, pas mafia du coup, individu de changement. Ok, merci. Et continue ce que tu fais. Ouais, il se tire dessus, il court encore lui. Ah oui, donc lui il est invincible. Il le tue du coup. Ah, il le tue, mais parce qu'il fait pas son fier. Ouais, je comprends. Je vais me TP sur lui, je vais le TP moi. En fait, j'avais pas les voix parce que je les ai pas une mute, mais en gros, à mon avis, il devait le braquer et le mec il bougeait pas, tu vois. C'est lui. Salam! Tu m'entends quoi, allô? Allô, ouais, je t'entends. Ouais, je peux savoir pourquoi tu fais aucun fear alors que t'es braqué par deux armes, etc. Si, je l'ai fait. Ah, t'as fait du fear là. Là, t'as fait ton fear, c'est-à-dire que quand ton véhicule a explosé, t'as pas du tout couru. Ou, par exemple, quand t'étais braqué par deux armes, t'as pas du tout essayé de partir. Bah, après, dans la pièce, je me suis rendu quoi. Quand ils m'ont braqué. Non, tu t'es pas rendu parce qu'ils ont été obligés de te tuer vu que tu essayais d'ouvrir la porte pour partir. Bah, quand ils m'ont tué, moi j'étais au fond de la pièce. T'étais là toi? Bah, oui, j'étais là, mais c'est normal, t'essayais de partir en fait. Tu te mettais pas contre le mur, t'écoutais rien à ce qu'il disait. Ok. Ok. Franchement, là, je vous le dis, y a pas de raison, juste, je sentais qu'il se foutait juste de ma gueule. Je lui mets deux heures juste parce que je sentais vraiment que c'était un troll. Voilà. Lui, il a pris là les balles, il court partout, gros. Femmerie demande de renfort. Pourquoi tu tires? Salut. Mais non, mais c'était. Ah. J'étais dessus, désolé. Oui, je peux savoir pourquoi tu tires partout en ville. Je peux savoir pourquoi, quand tu te fais toucher, que t'as 50% de vie, tu continues à courir et à sauter partout pour te mettre en situation, te ressortir et ensuite retirer alors que t'as juste à appeler des renforts. Je demande au moteur de la voiture, je pointe, je fais 3 sommations, il se prend un mur, je demande de ressortir, il continue. Ok. Enfin, plus je t'arrête. Ok, bah t'appelles des renforts la prochaine fois, tu tires pas n'importe où comme ça en ville, ok?
Et surtout, t'arrêtes de pleurer et de sauter partout alors que t'as 50% de vie. Je vais aller voir l'autre. C'est bon, arrête de pleurer, t'inquiète, tout va bien se passer. Mais toi, par contre, je veux pas devoir courir et sauter partout. Je pars pas, mais je dis juste voir. Non, 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 il doit être par là, l'autre. C'est quoi, on va les TP tous les deux, je pense qu'on a un ticket là en fait. Salut, tu bouges pas, Cimer. Ah, comment il s'appelait l'autre? Pif, 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 il s'appelait Clément Biden. Hop. Hop là, du coup. Hop, est-ce que tu m'entends, Kieran? Allo, allo, allo. Ouais, du coup, je t'explique là, je te TP parce que bon, lui déjà il t'a tiré dessus, il a continué à courir alors qu'il se faisait tirer dessus, donc je l'ai déjà remonté pour ça, ok, donc ça s'est réglé. Par contre, lui, il m'a dit qu'il t'avait fait des sommations, etc., pour que tu t'arrêtes, etc., et t'as quand même sorti son arme et tu lui as tiré dessus. J'ai un rec, comme quoi, j'ai entendu que la troisième sommation, j'ai pas entendu tout. Ok, donc, parce que c'était quoi la base de, la, de l'arrestation, Clément? Je sais pas, je roulais juste, et puis ouais, il vient, dans voiture, il roule, il klaxonne. Je demande qu'est-ce qu'il y a, je lui demande d'aller se mettre contre le mur parce que là, j'étais tranquillement en train de discuter avec les gens sur le parking, okay. Il commence à attirer l'attention, je viens le voir et là... Ok, ok. Et toi, comment ça se fait que tu sors ton arme et que tu lui tires dessus alors qu'il te braque et qu'il te fait des sommations? Parce que le bail, c'est que j'ai pas entendu les sommations. J'ai oui, mais, la troisième, mais moi, je m'en fiche. Oui, mais moi, je m'en fiche que t'aies pas entendu les sommations. Je veux savoir comment ça se fait que t'es braqué par une arme et que tu sors ton arme alors que t'as pas d'arme dans les mains de base. C'est ça ma question. J'avais dans la voiture mon arme. Oui, d'accord. Donc tu l'avais dans ta voiture, oui, mais ça. Mais j'étais pas parti en fait, c'est bien ça le problème, j'ai un rec. De toute façon, tous les deux, votre action elle est pue, toi aussi. Toi, tu aurais dû prendre un warn, je t'ai pas mis de warn parce que t'as pas de warn. Et toi, ton dernier warn, il date de janvier, donc je te mets pas de warn non plus. Bon, de la prochaine fois, donc toi, si t'entends pas les sommations, bah quand tu descends, tu sors pas ton arme et tu le tires pas dessus. Et toi, par contre, quand tu te fais tirer dessus, tu bunny up pas jusqu'à la mairie pour te mettre à l'abri et retirer sur la personne, ok? Ok, les deux? Ok. Mais où alors? Yes, yes. Et bah t'appelles du renfort et tu te mets en accroupi et tu joues ton pain parce que t'as pris 50% d'HP mec en moins quand même. Donc t'es censé au moins arrêter de courir et de sauter partout quoi. Allez bon jeu. Bon on a réglé ce ticket de façon... je sais plus comment on dit le mot mais en tout cas je l'ai fait de façon concise et en essayant d'être pédagogue, voilà. Oh, parfait, merci. Attends, le chien, tu descends par contre. Je sais pas c'est qui, mais merci. Le chien, tu descends. Attends, le chien, il descend. Ah. Le chien, il descend. Ah, le chien. Non mais... Ok, tu vas venir avec moi, le chien. On va aller faire un petit tour là-haut. Hop là. Ouais. T'as déjà vu un chien avec ses crocs pousser une voiture ou pas? Mais non, mais c'est genre qu'on était bloqué. Bah oui, bah y'a un truc qui s'appelle un dépanneur. Ouais, j'avoue. Bah oui, tu avoues, mais en attendant, tu as mis des gros coups de croc dans la voiture pour la pousser, et comment font les dépanneurs, tu vois? Si jamais il y a que des gens comme toi. Ouais, j'avoue, c'était leur vol de leur travail. C'est quoi, c'est Nolan? On va regarder tes warn. Nolan Barzini, aucun warn. Allez, pour cette fois-ci, ça ira du coup. Je te mets juste un avertissement vocal. Mais fais bien attention la prochaine fois, ok? Vas-y, bonjour à toi. C'est quoi, lui? Il veut prendre un perma, lui, c'est sûr. Il veut prendre un perma ou pas? J'ai un volé. Déjà, il s'appelle le foot, il a changé. Je pense qu'il veut prendre un perma balle, lui, les gars. Salut! Oui. Salut, c'est quoi ce nom RP, là? De quoi? C'est quoi ce nom RP, là? Ah oui, non, c'était pour rire. D'accord, ça marche, mais du coup, est-ce que t'es là pour rigoler ou t'es là pour jouer roleplay? Pour rire et jouer. D'accord, ça marche, mais t'es pas là pour troll, c'est ça que je veux dire. Non. Non, d'accord, bah alors arrête de te servir de ton physique en pleine ville, ok? Ok, je nom aussi. Quoi? Je change de nom aussi. Ouais, faut que tu changes de nom aussi, ouais. C'est okay. Bon. Ouais, c'est bon, ouais. Je vais te remettre en ville, par contre, t'enlèves ton physique de tes mains, là, ok? Ok, chef. Ouais, bon jeu, ciao. Sunbird, viens sur moi. Il est con, lui. Wesh. Alors, je t'explique, c'est pas Sunbird, hein, c'est la radio dans le téléphone. T'as le droit de la mettre toi aussi. Hein. C'est la radio dans le téléphone, c'est tout. Ok, désolé. Allez, bon jeu. Passe une belle, après-midi. Bah, toi aussi, hein, bon jeu. Il a cru que c'était une Sunbird, mais c'est le téléphone, la radio du téléphone.
Mec, no RP spectate. Quoi, tu le fais exprès toi? Monsieur, vous descendez dans l'ascenseur tout seul, vous avez les menottes et tout, vous êtes serré ou quoi? Je vous dis première porte à gauche dans le couloir. Depuis tout à l'heure, vous coopérez pas. Alors on va faire ça directement en cellule, y'a pas de soucis, ça ira plus vite. Hop. Et quand tu vas revenir, y'aura plus personne. Je vais lui dire quand même, que je les banne. Je les banne, hein, il a pris 2 heures. Hein. Il a pris 2 heures. Allô, Johnny, tu m'entends? Johnny, oui, je t'entends. Je lui ai mis deux heures, ça sert à rien de le chercher. Il est plus... Merci beaucoup, c'est Verdaz? Oui, c'est Verdaz, ouais. Mais genre, je suis trop étonné de tomber sur toi. En tout cas, il a pris 2 heures là, donc ça sert à rien de le merci, chercher, ok? Merci, mec. Bonjour, ouais, toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci, bon courage. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un maximum de likes pour me soutenir et pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux en revoir. N'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des choses à dire. Et tu t'abonnes et tu mets la cloche, c'est le plus important pour louper aucune autre vidéo sur la chaîne.